Bonjour à tous et bienvenue sur C17. Nous sommes en direct de Ronces-les-Bains, la Tremblade, pour la 49e édition du Salon de la Conchyliculture, réservé aux professionnels. Mais j'ai Madame le maire qui est avec moi, Laurence. Bonjour. Bonjour. Vous organisez, bien sûr, et vous et votre municipalité, ce salon qui est réservé aux professionnels et on y trouve beaucoup de choses. Oui, c'est le 49e salon et on est fiers, la municipalité. Depuis 3 ans, nous reprenons ce salon et avec mon équipe, on était déterminés, malgré la crise ostréicole, de faire ce salon justement dédié aux professionnels. Alors professionnel, il y a matériel, il y a aussi tout ce qui concerne les prêts. Oui, oui, tout. Aujourd'hui, il y a les centres de gestion qui sont là, les banques, les professionnels de tout ce qui est matériel, voilà tout ce qu'on a besoin pour les poches, tout ce que l'on a besoin pour le métier d'ostréiculteur. Justement, pour parler métier, nous sommes allés voir Thomas et Christophe qui proposent des formations avec l'établissement Maison Familiale. MFR, Maison Familiale et Rurale. Et Rurale. Je suis avec Thomas et Christophe qui sont dans la formation des métiers de la mer et de l'aquaculture. Le MFR, Maison Familiale Rurale. Et Thomas, vous allez nous expliquer un petit peu tout ce qui se passe au sein de cette formation. Eh bien bonjour, tout d'abord la MFR de Châlons accueille des jeunes de la 4e au post-bac et de la formation adulte. La spécificité de Châlons, c'est de former au métier de la mer et de l'aquaculture avec 2 formations principales bac qui sont bac pro culture marine pour aller vers des métiers d'ostréiculture et de conchyliculture et un bac pro conduite de production aquacole qui va être orienté pisciculture, élevage, algoculture, etc. etc. Et puis un CAP poissonnier et cahier traiteur qui aujourd'hui correspond à une demande du territoire en termes de main-d'œuvre et un ensemble de formations continues adultes, toujours orientées sur les métiers de la mer, du marin ouvrier jusqu'au stage agréé en culture marine pour accéder au DPM et commencer à exploiter en concession ostréicole. Voilà l'ensemble des formations qu'on propose aujourd'hui. Donc aux jeunes et même aux adultes, mais là particulièrement, Christophe, des métiers, il y a une recherche de candidats. Oui, tout à fait. Nous sommes aujourd'hui sur des filières en recherche de candidats, tant sur la filière aquacole que sur la filière de culture marine. Également en CAP poissonnier, qui a tendance aujourd'hui à être oublié, mais qui est un métier d'avenir, puisqu'il y a une vraie recherche sur ce secteur. Alors on a demandé à 2 élèves qui sont passés vous voir ce qu'ils pensaient de votre proposition de formation. Bonjour. Bonjour. C'est une profession qui est super intéressante parce que on a remarqué qu'on peut apprendre diverses choses, divers métiers. Et c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les jeunes, la diversité. Voilà. On découvre beaucoup de métiers. Oui, surtout en rapport du coup avec l'ostréiculture. Et qu'en plus c'est de notre région, du coup, voilà. Et toi, donc, tu as découvert, tu connaissais déjà, ouais. Ça a confirmé un peu ton choix? C'est ça, j'avais déjà prévu de devenir producteur d'huîtres et du coup, ça a confirmé mes choix et je pense pouvoir faire ça dans l'avenir. Eh bien, merci. Merci Thomas et Christophe. Merci Laurence. Eh bien, merci à vous. Et puis, je donne rendez-vous l'année prochaine pour le 50e où on va essayer de faire une édition un petit peu particulière pour fêter cet événement. Voilà, c'est important pour nous et vraiment, on soutient nos ostréiculteurs aujourd'hui en pleine crise. Voilà. Faire connaître la filière, Christine. Oui, et puis moi, je remercie aussi les exposants qui ont bien accueilli tous ces jeunes que j'ai pu me promener avec dans toutes ces expositions. Donc, merci à tous aussi, vraiment. Merci à toutes les deux. Et puis à bientôt sur C17 et toujours en direct. Merci.